cette 15e conférence de l'énergie organisée par la Fédération de l'énergie a pris pour thème la transition énergétique. La transition énergétique est complètement d'actualité aujourd'hui dans le contexte actuel, pas seulement pour les changements climatiques, mais dans le contexte où l'énergie fossile vit des tensions exceptionnelles dans le contexte actuel. Avec les prix de l'énergie qui flambent, avec l'approvisionnement qui devient difficile, ça donne encore plus de sens à nos politiques. Et la vision royale d'il y a plus de 10 ans aujourd'hui pour donner priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique montre que nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir eu cette politique 10 ans auparavant. Il est important de montrer, et l'agence travaille aujourd'hui sur trois axes, l'efficacité énergétique, la mobilité durable et la production propre dans l'industrie avec la décarbonation de l'industrie. C'est le thème aussi d'aujourd'hui parce que la décarbonation de l'industrie, on voit des taxes carbone, on voit des actions qu'il faudra accompagner pour que non seulement décarboner, mais rendre les entreprises plus compétitives. Et c'est la mission que nous allons partager pour montrer que les financements existent dans notre pays et que ces accompagnements avec l'AME, avec la War Room Green Economy, avec toutes les actions que nous avons mises en place depuis 2 ans maintenant, il y a beaucoup plus de raisons pour les entreprises de s'impliquer plus. Pour les citoyens aussi, la décarbonation les concerne. Et tout le monde veut baisser sa facture énergétique. Et donc, nous sommes dans ce thème. Tout le monde peut baisser sa facture énergétique grâce à cette transition énergétique avec les accompagnements nécessaires.